la paix sera là pour rester. Les membres de la chorale Les Amis de la chanson sont en pleine préparation de leur prochain spectacle prévu le 27 avril prochain. Presque entièrement québécois, il y a une seule chanson qui n'est pas québécoise, mais que tout le monde connaît. C'est notre fierté parce qu'on est parti vraiment de quelque chose de plus ancien, de plus vieux. Puis avec le temps, on a commencé à chanter des chansons des années 60, des années 70, alors qu'avant, c'était beaucoup les années 40, 50. Fait que là, celui-ci, écoutez, on se promène à... On part de Beau Dommage, on se promène avec Félix. En fait, on touche à peu près à tous les niveaux québécois, là, tous les styles un peu. Là. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette chorale, ses membres se spécialisent avant tout dans le divertissement auprès des résidences pour personnes aînées. Notre premier but, c'est d'aller rencontrer les personnes âgées. Donc, on va dans les RPA, on va dans les centres d'accueil pour personnes âgées, et on donne la majorité de nos spectacles là, soit à Noël, soit comme au mois de mai, on va faire la tournée pour le spectacle d'été. Alors, on donne environ 8, entre 8 et 9. Puis des années, on a eu jusqu'à 10 spectacles annuels. On voit le sourire sur le visage, on voit les yeux qui s'illuminent. Fait que je pense que c'est ça le contact qu'on amène. C'est le réconfort qu'on donne, dans le fond. En 2018, la chorale Les Amis de la chanson a commencé à faire des spectacles pour le grand public. Les fonds amassés étaient remis à des organismes comme le Service alimentaire communautaire ou encore le Centre d'action bénévole. Cette année, ça va être pour nous, pour renflouer nos budgets, parce que depuis la pandémie, il y a eu beaucoup de sorties puis peu d'entrées. Donc, faut se renflouer. Puis le but de ça, c'est de maintenir les prix pour les centres d'accueil au prix actuel qu'on a. Le spectacle du 27 avril aura lieu à 19h30 à l'édifice Guétan-Rousse. Il est possible de se procurer des billets au coût de 10 $ en contactant Lucie Carrière via les coordonnées inscrites à l'écran. Enfin, la chorale est toujours à la recherche de choristes si l'expérience vous parle. On ne demande aucune connaissance musicale. Tout ce qu'on veut, c'est de la bonne volonté puis du plaisir. C'est la base de la chorale. C'est on apprend ensemble, on s'amuse.